Good morning, allez, Iden, et je suis aujourd'hui le Nishmat, François Fajib Ben Hana, Janine Ruth, Bat Fortuna Mazal Fritna, et Claude Shlomo Ben Shalom. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étions à Sechet Kiddushin, Perek, Gimel, Mishnah Aleph. A Omer, la Chaverot, Sede Kadesh Lig Shaplonit, Ve Alach Ve Kidcha Le Atzmo, Mekudeshet, Ve Chen A Omer, Le Isha Aret, Mekudeshet Li, Le Achar 30 Yom, Ou Ba Acher Ve Kidcha Betoch 30 Yom, Mekudeshet, La Sheni, Bat Israël la Kohen Tochal Mitroma, Meachav ou Lachar 30 Yom, ou Baacher Vekitcha Betoch 30 Yom, Mekudeshet Vena Mekudeshet, Bat Israël la Kohen, ou Bat Kohen et Israël, Lotochal Mitroma. Dans le troisième chapitre de Kiddushin, on va s'intéresser beaucoup au mariage avec conditions, comment, si je pourrais me marier avec une certaine condition, qu'est-ce qui se passe? Si la condition n'est pas complètement remplie, à partir de quand elle est réellement mariée, à partir de quand elle pourra marier la Tourma, peut-être que d'ailleurs je vais commencer par expliquer d'abord un principe très simple, comme ça on pourra passer très rapidement sur la mise ensuite, c'est que une fille de Cohen, tant qu'elle est dans la maison de son père, elle a le droit de manger de la Tourma. Dès qu'elle se marie avec un Israël, elle devient, disons que je me suis marié avec une femme, Bat Cohen. Dès qu'elle devient ma femme, moi je ne suis pas Cohen, donc elle ne peut plus manger la tourma dès qu'elle devient ma femme. Ok? Cas de figure inverse, elle c'est une bat Israël, c'est une fille d'un Israël, donc elle n'a pas mangé de la tourma. Quand je me marie avec elle, que moi, si moi je suis un Cohen, alors elle va pouvoir manger la tourma. C'est-à-dire, en fait, elle va, selon le cas, il y a soit bat Cohen les Israël, c'est une fille d'un Cohen qui se marie avec un Israël, on s'intéresse à savoir, à partir de quand elle est mariée pour arrêter, si c'est une bat Cohen Israël, à partir de quand elle est mariée pour arrêter de manger de la tourma, ou bien si c'est une bat Israël, la Cohen, à partir de quand elle est mariée pour pouvoir commencer à manger la tourma, d'accord? Principe très simple. On va souvent, quelquefois, on va évoquer le cas, donc comme ça on a compris le principe. À Omer, alors je commence avec le premier cas, à Omer la Chavero, celui qui dit à son ami, Tzedeka Deshli Chaplonit, va et marie-moi telle femme. J'ai entendu, moi, il y a une femme à Be'er Sheva que je veux me marier avec elle. On a déjà tout conclu entre nous, que Bezat Hashem, on va... Et puis maintenant, ça y est, je voudrais qu'elle devienne ma femme déjà dès maintenant. De nuit, c'est Kiddushin quand tu vas toi aller à Be'er Sheva. Comme ça, ça va devenir ma femme. Et quoi? Ve'alach, et lui, il est parti à Be'er Sheva avec Kitchal et Atzmo. Il arrive là-bas, il voit une femme tellement bien, tzadika, il la marie pour lui-même. Eh bien, la Mishnah me dit, sache que, mes coups d'échette, elle sera mariée au deuxième. Même si je l'ai nommé Shaliach pour moi, je nomme un Shaliach pour faire une action pour moi, s'il va, il fait l'action pour lui, et bien, il l'acquiert pour lui. La Mishnah précise, la Gemara précise du mot Vehalach et il est parti. Vehalach bedarke aramaout. Il est parti, il s'est conduit de manière, rusée, vilaine, d'accord? La ramaout, la tromperie, c'est pas juste d'avoir fait ça. Là, on rentre dans la Gemara, d'ailleurs, dans la grande sugya de Aniyama Per Becharara ou Bacher Benetala. C'est un pauvre qui s'intéresse à acquérir un bout de main et quelqu'un vient et lui vole, Nikra Racha. Là, on apprend, c'est de Saint-Siman dans le prochain Mishpat. Dans quelles circonstances on a le droit, si jamais il y a quelqu'un qui s'est déjà intéressé à quelque chose, est-ce que j'ai le droit d'aller me dépêcher d'aller le prendre ou non? Il y a plusieurs règles. Là n'est pas notre propos, mais en tout cas, ça démarre à partir notamment de notre Gemara d'ici. Ok, donc pour le moment, cas simple, je nomme Réhouven pour aller marier une femme, Réhouven va marier cette femme pour lui-même, elle est mariée à Réhouven, ça devient la sienne. Maintenant. Vechen a omer leisha areat mekudeshet li leachar 30 yom. Je donne des kiddushin à une femme pour qu'elle devienne ma femme après 30 jours. Je lui donne des kiddushin et je lui dis, mais attention, areat mekudeshet leachar 30 yom. C'est possible de faire une action pareille, c'est-à-dire... Alors, d'abord je lis le cas. Ou Ba'acher Vekitcha Betoch 30 Yom, et il y a quelqu'un qui vient et qui va la marier cette femme-là pendant les 30 jours. Donc, je donne à la femme pour qu'elle devienne ma femme après 30 jours, je fais mon Masek Kiddushin, depuis tout de suite, je lui donne, on enclenche le chronomètre, on commence à compter les 30 jours, au bout du 27e jour, quelqu'un vient et lui dit, arrête Mekudeshati, tu deviens toi ma femme, il a marié lui-même. Vekitcha Betoch 30 Yom. Eh bien, Mekudeshati la chenille, elle sera mariée au deuxième et pas au premier. Et si c'était une bat Israël, la Cohen, si c'était une bat Israël et que le deuxième c'est devenu un Cohen, Tochal Bitrouma, elle pourra manger la Trouma, c'est sa femme à part entière. Mais, et voilà, Tochal Bitrouma.
On explique un petit peu mieux le principe. Il y a un chidouche dans notre Gemara, dans notre Mishnah. Qu'en théorie, toute action que tu fais, elle doit devenir effective depuis tout de suite. Ça n'existe pas de faire une action aujourd'hui qui va marcher demain. En général. Imaginez par exemple, pour pouvoir acquérir un cheval, je dois lui faire la mishicha, je dois le tirer. Je peux pas dire, c'est quoi, viens, je le tire tout de suite, mais il deviendra le mien dans 30 jours. Ça marche pas. D'accord? En temps normal, ça peut pas marcher. Il y a quelques cas de figure où ça peut marcher. On expliquera ensuite pourquoi. Mais de manière générale, ton action, c'est un acte d'acquisition. Si ton acte d'acquisition, tu le finis et la chose n'est pas devenue la tienne, ça marche pas de dire, bah non, j'ai déjà actionné l'acte d'acquisition pour que ça marche dans 30 jours. Et après, dans 30 jours, comment ça marche? Ton acte, il est plus présent. Ça, c'est en général, c'est vrai. Mais il y a quelques petites exceptions à la règle. En fait, c'est pas qu'il y a des exceptions. Il y a plutôt, on va dire comme ça, qu'il y a des fois des actes d'acquisition que tu fais qui s'achèvent 30 jours après. Par exemple, j'ai pris le cas du cheval que j'ai tiré, la gamin le rapporte. Si j'ai tiré le cheval, mais je le laisse sur place, à l'endroit où je l'ai tiré, il reste dans ce même critère de lieu, qui n'est pas un lieu public, c'est un cimta, on ne va pas entrer dans les détails, mais il est resté dans le même secteur, alors dans ce cas-là, après 30 jours, il sera acquis effectivement. Si par contre, je l'ai tiré, et il est parti se promener, il est parti sur la voie publique, il est revenu, c'est fini, mon acte d'acquisition s'est terminé. Mais si mon acte d'acquisition, il reste encore, ça marche encore. Et là, on arrive, si j'ai marié une femme avec un contrat, j'ai acheté un champ avec un contrat, je lui dis, mais attention, il deviendra effectif dans 30 jours. Si après 30 jours, l'acte, le contrat, il est encore présent dans tes mains du vendeur, eh bien, la maison, elle sera effectivement acquise. Parce qu'on considère que l'action que j'ai faite de donner, elle s'achève après 30 jours. Vous avez compris l'idée? Eh bien là, on arrive maintenant sur l'argent aussi. Quand tu maries une femme avec de l'argent, tu peux lui dire, je te donne de l'argent, mais tu seras marié après 30 jours. Il s'avère que maintenant, l'argent que je lui ai donné, il est dans ses mains pour être utilisé, mais si jamais elle ne se marie pas, elle doit me le rendre. Cet argent-là, qui est pour le moment en stand-by chez elle, alors il fait qu'après 30 jours, ça peut fonctionner, et elle deviendra ma femme. Donc maintenant, le prix douche, la Mishnah, il est double. Il est d'abord de me dire que je peux marier une femme après 30 jours, et que pour le moment, pendant les 30 premiers jours, il n'y a rien qui est actionné. De ce fait, vient un étranger et va se marier avec elle, il acquiert la femme à part entière. Et si ce deuxième qui vient, c'est un Kohen, cette femme pourra manger de la Touma sans aucun problème. Ok? Maintenant, on va compliquer l'histoire. Avec un nouveau cas, qu'il lui a dit, « Mais Arshav ou Léachar Shloshim Yom ?» Je te marie tout de suite pour après 30 jours. Il a dit une phrase un peu bizarre, qu'en fait, il a très envie tout de suite, mais il se laisse la possibilité de, après 30 jours, peut-être qu'il va savoir finalement, on va pas s'entendre, viens, pour le moment, je t'acquiers, on verra, peut-être que finalement, je trouve autre chose. Pour le moment, t'es marcha volacha, shloshim yom. Il a fait un acte contradictoire. Je te marie tout de suite, et je te marie après 30 jours. Si c'est tout de suite, c'est pas après 30 jours. Si c'est après 30 jours, c'est pas tout de suite. Là, la complexité est de savoir comment interpréter cette phrase. D'abord, on va lire le cas, on va lire la halakha, et après on va expliquer pourquoi c'est comme ça. Il le dit maintenant, mais Arshav ou l'Achar Shloshim Yom, depuis tout de suite, mais après 30 jours. Ou Ba Acher Vekitcha Betor Shloshim Yom, et il y a un étranger qui vient et qui la marie pendant les 30 jours. La Mishnah me dit, Mekudeshet Ve'ena Mekudeshet, cette femme elle est mariée et pas mariée, au premier comme au deuxième. On a un doute en fait avec qui elle est mariée. Et de ce fait, si c'était une Bat Israël, la Kohen, au Bat Kohen Israël, si c'était une fille d'Israël qui s'est mariée avec un Kohen, avec le premier ou avec le deuxième, ou même, ouais, avec le premier ou avec le deuxième, ou encore, au Bat Kohen, les Israël, ou bien si c'était une fille de Kohen, qui s'est mariée avec un des deux qui est Israël, l'autre Khal Mitrouma, elle ne pourra plus manger de Trouma, parce qu'on ne sait pas est-ce qu'elle a été acquise à l'un, acquise à l'autre, ou pas. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a un... Quel est le doute exactement? Le doute, il est très original. Il est expliqué par la Gemara que est-ce que. C'est dur que je vais dire tout de suite après 30 jours. C'est tout de suite, c'est pas après 30 jours, c'est pas après 30 jours, c'est tout de suite. Est-ce que tu as eu l'intention de dire bon, tout de suite, mais en fait, non, c'est après 30 jours que tu as fait une chazara, donc ton intention c'est d'acquérir pour après, ou bien est-ce que tu as eu plutôt l'intention de la faire avec condition? Tu es marié depuis tout de suite à condition qu'après 30 jours je valide. Comme on va voir dans les prochaines Mishnayot, on peut marier une femme avec condition. Je te marie à condition que tu me donnes dans les 30 jours que tu m'achètes une montre cadeau. Donc la femme,
je l'ai acquise, elle est mariée depuis tout de suite, mais elle a une condition à remplir, c'est de m'amener un cadeau. Dès qu'elle va amener le cadeau, la montre, eh bien, elle va être mariée depuis tout de suite, parce que je l'ai depuis tout de suite, avec une condition. À la différence de cas où je marie une femme, quand elle qu'elle conclura son acte d'acquisition, quand elle me fera un cadeau à la montre. Alors là, dans ce cas-là, j'ai différé, j'ai reporté la fin des kibushin. Donc, en fait, c'est ce qui se passe ici. On a un doute, est-ce que tu l'as marié depuis tout de suite, avec une condition que tu valides dans les 30 prochains jours, qu'il n'y a pas eu personne n'a annulé le contrat, personne n'a annulé le mariage, ou c'est depuis tout de suite, ou bien non, est-ce qu'en fait ton intention c'est de reporter la fin des Kiddushin, et dans ce cas-là tu ne l'as pas encore acquise, et dans ce cas-là la deuxième personne qui est venue et qui l'a acquise, c'est lui qui va la prendre, parce que tu ne l'as pas encore conclu. C'est une situation, puisque c'est une phrase floue, imaginez réellement, vous comprenez bien, quelle est l'intention de la personne, depuis tout de suite complètement, avec une condition qu'on valide, ou bien on se laisse encore la possibilité de peut-être revenir en arrière, si toutefois c'est une phrase floue, ça fait une situation en safek, à cause de ce safek, les kiddushin de la deuxième personne vont peut-être, oui ou non, être actionnés mi-safek, elle sera safek mariée aux deux, et dans ce cas-là, elle devra recevoir un get des deux personnes pour pouvoir aller se marier avec une tierce personne. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha pour tout, c'est là.